là là. Là là. Amis sportifs, bonsoir. Et bienvenue dans la nuit du sport. Nous sommes le mercredi 10 avril. C'est férié, certes, ici au Cameroun, mais nous sommes là, justement, dans le cadre de cette autre édition de la nuit du sport. Bonne fête, une fois de plus, à toute la communauté musulmane. On parlera donc en première partie de foot. Dans la pause actuelle, on va notamment s'intéresser aux play-offs de la MTN Elite One et MTN Elite 2 de football. Où en est-on actuellement? Quelles sont les équipes qui se démarquent? Tentative de réponse dans un court instant et puis en seconde partie de cette émission. Actualité oblige, jusqu'où ira le bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football au lendemain de la nomination des membres du nouveau staff des Lions indomptables par le MINSEP. L'AFECAFOOT est monté au créneau pour dénoncer le processus de recrutement du nouvel entraîneur Marc Brice et a affirmé qu'elle n'a pas été associée au dit processus. Et depuis, on a assisté à un échange épistolaire entre les deux institutions. En début de semaine, le nouveau staff a été donc installé dans ses fonctions à Yaoundé par le ministre des Sports. Grand absent, le président de la Fédération camerounaise de football qui a évoqué les raisons familiales pour justement justifier son absence à cette cérémonie. Dans ce contexte, que peut justement le technicien belge concrètement, quand on sait que les défis importants attendent le Cameroun d'ici le mois de juin. Quatre invités en plateau ce soir. Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Serge, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Didi, bonsoir aux panélistes, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Et j'espère une fois de plus que nous serons à la hauteur du débat ce soir. En face de vous, le technicien de football entraîneur Ernest Mabouka, coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs et Moubarak à tous les Arabes musulmans qui sont en train de fêter aujourd'hui. Et bonsoir à tous les copanalistes. Je crois que nous serons à la hauteur de cette émission qui s'annonce très bien. Et ils sont peut-être pas musulmans, mais peut-être sympathisants aussi. Ils sont en plateau avec nous ce soir. Emmanuel Mahop, bonsoir. Bonsoir à la Bellissime, comme je m'as dit. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans pour autant mettre ça en exergue, justement. Votre charme met en lumière cette émission. Merci de me convier à cet échange, notamment au moment où nos frères musulmans, justement, sont en train de poursuivre. C'est un petit clin d'œil. Absolument, les festivités. Ah, vous savez, il est pas mal de communication. Enfin, il est des phases de communication, verbale, écrite, même vestimentaire. Vous faites bien de le mentionner. Donc, je suis de tout cœur avec eux, d'autant plus que je suis quelqu'un qui assure une certaine partie de la communication de Coton Sport de Garoua. Donc, pour cette raison, je me devais d'être en phase avec eux. D'ailleurs, je salue le Coton Sport de Garoua. Je leur fais un coucou. Ils ont bien démarré, on va le dire comme ça. 9 fois sur 12, sans défaite. Donc, voilà. Donc je salue les copanélistes, évidemment, Ernest que je n'ai pas vu depuis, Serge évidemment, on se voit en offre régulièrement, mais ça fait quand même depuis l'entame de l'année, je n'ai pas souvenance qu'on ait fait une émission ensemble. D'accord. Je finis avec celui qui compte maintenant dans le football mondial, celui qui est la référence justement, André Onana, dans les buts, qui samedi encore contre Bournemouth sera de sortie. Donc je m'en serais voulu de ne pas faire un coucou à André Onana le 24 de Dieu. Voilà. D'accord, le 24 de Dieu. Et Mathieu Nathanael, notre confrère, est avec nous ce soir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs, Moubarak à la communauté musulmane. C'est un plaisir pour moi d'être ce soir des vôtres. Voilà, c'est celui qu'on appelle communément Monsieur le Secrétaire Général. Il a l'étouffe. tout à fait. Alors on va rentrer tout de suite dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu et on s'intéresse particulièrement aux play-offs qui se disputent actuellement. Les play-offs du championnat national de football MTN Elite One et MTN Elite 2. Demain démarre la 6e journée. Mais avant, je voudrais bien vous interpeller sur ce sujet, Emmanuel Mahop. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces play-offs jusqu'ici? On pourrait parler du volet de l'orientation déjà, du volet infrastructurel. Évidemment, on s'intéresse généralement au volet du jeu, c'est une certitude. Oui. Le volet organisationnel, on se rend à l'évidence quand même que les stades sont, j'ai envie de dire, réduits, peut-être pas la surface de jeu.
mais réduit parlant de ce qui s'amène. Donc du coup, à certaines rencontres, ce n'est pas le secrétaire général Attaël qui va me contredire là-dessus. On est des spectateurs quand même, voilà, qui ne sont pas logés, peut-être pas à la bonne enseigne, mais ils sont pas, c'est pas sympa de les voir. Quand vous regardez le match qui opposait Youssa à Young Sports Academy au stade annexe de Bépanda, on s'est quand même rendu compte que pour certains qui payaient 1000, 2000 francs, etc., ben voilà, ils restaient debout durant deux rencontres, ça n'est pas sympathique. Ben après, évidemment, on va s'intéresser au jeu. La plupart des équipes, quand même, sur le temps, plus que ça s'annonce serré, en haut du classement, parlant des playoffs, hop, il y en a quand même, voilà, qui ont produit du jeu. C'est le cas de Young Sports Academy, ça, il faut le reconnaître. C'est le cas de Victoria hier, encore, qui a gagné Smart contre le Canon Yaoundé, même si le volet de l'arbitrage, quand même, revient à chaque fois. Je n'ai pas envie de m'attarder dessus, mais voilà, moi, je m'attarde pour finir. Je m'attarde pour finir à un club que vous connaissez très bien, qui est la vitrine du football camerounais depuis cette décennie, le Coton Sport de Garoua, qui, malheureusement, a fait deux matchs nuls. Voilà, 9 points sur 12, il va en rester 2 contre les Bonnes Job en dernière journée, mais contre Victoria pour le prochain match qui s'annonce déjà comme une finale avant la lettre avec un Coton Sport de Garoua justement, qui je l'espère pourra retrouver voilà, ses joueurs, etc., son jeu pour remporter son 19e titre, synonyme de la conservation du 18e. J'ose espérer que ça va se faire, même si Young Sports Academy en face quand même, et les équipes comme Colombe qui avancent masquées, mais sur le terrain c'est bien, mais peut-être sur le plan de l'organisation, à un moment donné on pourrait se poser des questions davantage sur le volet du directeur de la rencontre qui est l'arbitre. Mmh, oui. Alors, Ernest Mabouka, on a quand même constaté un club, vous étiez justement au sein de la Dynamo Football Club de Douala, la Dynamo qui dont le coach Clément Aroga a démissionné ces jours. Quelle est peut-être la lecture que vous faites sur le parcours de cette équipe dans ces play-offs, coach? Très bonne équipe, hein. Très bonne équipe sur le plan des joueurs qu'ils ont recrutés. Mais la fraîcheur physique, on voyait que ça ne va pas donner. Parce que c'est ça qui cause problème à l'équipe aujourd'hui. Quand vous regardez la Dynamo au début de la saison, je crois qu'il y avait une sérénité au niveau du staff. Bien sûr qu'il y a eu un peu de couac au début. Mais après ça, on s'est ressaisi par le grand management de M. Mbé Alphonse. Qui a tapé la main sur la table et il nous a réunis, nous, le staff technique, parlant du moment où j'étais là. Je crois que les réunions que nous avons tenues nous ont poussé à pouvoir ne serait-ce que glaner les points. Maintenant, le couac, c'est de l'autre côté où vous vous retrouvez dans une maison où vous trouvez des gens qui sont vraiment professionnels et des gens qui ne tendent pas à penser professionnel. Ça veut dire que dans l'amateurisme pur, je crois que si Dynamo de Douala se retrouve si à ce niveau-là aujourd'hui, où le coach Aroga claque la porte, je crois que c'était peut-être un signe, peut-être beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que je pensais en ce qui concerne le staff technique. Moi, je crois que si j'étais l'un des mauvais entraîneurs de gardiens de but et l'un des mauvais techniciens de football, c'est que je ne travaillerai jamais à l'étranger. Je sais que je n'ai pas de sollicitations, jusqu'à aujourd'hui j'en ai. Pêle-mêle. Ça veut dire que je ne manquerai pas. Bon, mais parlant de la Dynamo de Douala, quand on regarde cette équipe après la phase aller, et tout le monde a des signes que cette équipe peut glaner des points. Aujourd'hui, je ne vois pas les excuses que les gens prennent par rapport à débat. Oui. Ah, d'abord, je ne compte pas sur ça. Regardez un peu le joueur comme Batum qui quitte la Dynamo de Douala, qui fait le bonheur de Colombe, de Jai et Lobo. Ça veut dire que moi, il n'y a pas eu un travail de fond sur l'effectif général de la Dynamo de Douala. Et on a trouvé une équipe de Dynamo de Douala qui a des jeunes très bons joueurs qu'on ne fait pas confiance. Ils sont à côté. On n'a pas besoin d'eux parce qu'on a pensé que l'expérience pourra aider cette équipe. Mais là où ça a eu un couac, c'est que après le voyage du président, moi je le dis aujourd'hui, après le voyage du président où j'ai été suspendu sans toutefois avoir... Je crois que tout le monde connaît pourquoi un 23 février, je ne pouvais pas être dans une réunion parce que j'ai perdu ma femme, un 26 février 2023. Ce qui veut dire que quand vous êtes en ce moment, moi je l'avais dit, et j'avais dit ça au président Béa, Alphonse, au téléphone que non, vraiment juste pour la mémoire de ma femme, je vais un peu la paix, je ne pouvais pas assister dans une réunion. Mais d'autres dirigeants n'ont pas pris ça comme ça. Humainement, hein, ils se sont dit que Mabouka Crane, il est au-dessus de tout le monde, nous devons lui montrer. Bah,
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu une lettre d'eux. Voilà donc là où, on, quand on parle de professionnalisme, quelqu'un qui a été suspendu, qui n'a jamais été notifié, c'est que je suis toujours entraîné dans la Dynamo de Douala. Je suis toujours en fonction dans la Dynamo de Douala. Maintenant, le quoi que le coach Aroga démissionne, je crois que c'était dans cette réunion du 23 que moi, je ne suis pas parti, mais je savais déjà que ça va se passer comme ça. Ça veut dire que, moi, je le dis, je parle les noms aujourd'hui. Quand vous avez un monsieur comme Sinkot qui vient dans une réunion, qui a fait 6 ans dans la Dynamo de Douala, comme président de Dynamo de Douala, Dynamo n'a pas pu monter, qui vient dans une réunion dire que Mabouka a divisé l'équipe technique en deux. Ça veut dire que c'est mon nom qui était devant pour dire que M. Mabouka a son camp, Aroga a son camp. Malheureusement, c'est cela où on parle de l'amateurisme. Parce qu'Aroga écrit amateurisme, parce que vous ne comprenez pas. Puisque je ne suis plus là, suspendu, qu'est-ce qui a fait en sorte que Aroga démissionne? C'est cette réunion-là où on lui a dit, monsieur, vous ne gagnez pas le prochain match, le prochain match, vous serez déjà débarqué. Lui, par contre, a été notifié. Ça veut dire qu'on lui a donné des blâmes. Par contre, moi, non. OK? Tout le monde a cru que peut-être la vérité que j'ai dit, c'est ça qui fait en sorte que ça fait mal aux autres, que comment... Et j'avais dit, moi je le dis clair et net, qu'à un moment il faut préserver ces joueurs. Ces joueurs qui sont des joueurs qui ont déjà passé 12 ans, 13 ans à jouer en première division, il faut les préserver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amener des jeunes qui sont frais, et ces jeunes-là nous ont fait même gagner des matchs. Vous comprenez un peu? Quand on gagne donc les matchs maintenant, on se dit que non. La façon que nous avons préparé la saison a été mal préparée. Ça veut dire qu'à un moment, on voyait cette équipe que ça va craquer. Comment se fait-il que vous pouvez préparer une saison sans partir dans une salle de gym? Où le préparateur a décidé que tout ce que je vais faire un travail foncier sur le terrain. Il y a certaines parties du muscle, muscles du corps qui ne vont pas travailler et qui ne pourront pas supporter la charge, surtout au niveau du play-off. Bon, quand Dynamo arrive au play-off, les personnes qui étaient là, qui ont donné des points, Dynamo est passé, ne sont plus là. On va faire une liste en se disant que si Mabouka est au play-off comme entraîneur, nous ne pouvons pas passer. Nous devons lui montrer que même s'il n'est pas là, on va gagner des matchs. Un entraîneur, un gardien, ancien gardien de but que je prends comme entraîneur de gardien pour apprendre, c'est lui combien. Il m'envoie un message en me disant que coach, on m'a demandé d'aller faire l'échauffement. Je me pose la question que ces gens-là, ce monsieur n'est pas contractuel dans la Dynamo de Douala, comment se fait-il qu'il va entrer sur un terrain faire un échauffement? Donc tout ça, quand vous regardez tout ça, ça veut dire que l'équipe technique d'Aroga qui est restée, à un moment, était assaillie. Celui qui prend... Donc sa démission, ça ne vous a pas du tout... Non, ça ne m'a pas surpris parce que tout a été préparé pour lui. Par contre, moi, je n'ai pas démissionné. Je suis tout contractuel. D'accord. Maintenant, le coach du Kumba qui est là, c'est lui qui façonne toutes les choses pour que la Dynamo arrive dans l'amateurisme. Moi, je le dis clair et net, Likumba façonne toutes les choses parce qu'il travaille, il n'a pas de pili, il n'a pas cette force à pouvoir dire à un président que ce que tu fais là n'est pas bon. Parce qu'un entraîneur, donc je vous le dis... On ne va pas porter un jugement subjectif sur le coach... Je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai été dans la Dynamo avec Likumba, j'ai été gardien de but avec Likumba comme assistant dans Dynamo de Douala. Il ne m'avait jamais choisi comme gardien de but. OK? Ce que je parle aujourd'hui, je le sais. Et moi, quelqu'un comme lui, directeur sportif de la Dynamo de Douala, qui m'envoie une lettre, dit qu'il ne met plus pied dans les séances d'entraînement. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a autorité? Est-ce qu'il a la poigne de venir dire, moi, Mabouka, que je ne dois plus mettre, parce qu'on lui a envoyé de ne plus mettre pied à l'entraînement? C'est impossible. Il y a pas mal de problèmes. Hein. Mais quand même, un mot quand même pour sortir, Ernest Mabouka, c'est ce qui m'intéresse un peu sur le jeu même en question. Vous avez regardé depuis le démarrage de ces play-offs. Vous, en tant que technicien, comment est-ce que vous analysez le niveau de jeu de la Dynamo produit par les équipes de manière générale? Je crois qu'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que si les entraîneurs camerounais capés, qui sont, parce que je peux dire que tous les entraîneurs qui sont en play-off, c'est des gars qui sont tapés. Quand vous prenez Blaise Dikoum qui est à Yossa, c'est pas pour rien que Blaise Dikoum est là. C'est Yossa, première équipe.
D'abord, c'est un préparateur physique. À la base, ouais. À la base, et on a fait la distance à CAF ensemble. Okay. Ce qui veut dire qu'il a quelque chose à démontrer. Et voilà ça aujourd'hui. Sur le plan physique, Yossa n'a pas de problème. Il vous donne des répondants. Sur le plan de jeu, Yossa joue textuellement comme il le faut dans, dans un match de football. Ça veut dire que les sorties de balles et le milieu de terrain, la relation entre les défenses, milieu de terrain, attaque. Ça veut dire que vous voyez ça. Vous prenez une équipe comme le Coton Sport de Garoua, qui est en train de, par rapport au projet du coach, parce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui, ce coach est arrivé, il arrive dans Coton Sport, il a son projet, dans son projet, quand vous regardez le jeu de Coton Sport, ça vous montre quelque chose que il y a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs de qualité. Vous regardez une équipe comme Opopo, qui a un enfant de 16 ans, qui joue dans le championnat de première division, ce qui veut dire que les gens osent déjà à faire donner la chance aux jeunes. Aux jeunes, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les 16 équipes qui traînent le pas, je crois que quand vous regardez le canon de Yaoundé, vous regardez Dynamo de Douala, vous regardez Gazelle qui a tapé Renard, ce qui veut dire que ce jeune coach qui est dans Gazelle a quelque chose, parce qu'il a, il a de répondant à M. Pagou, qui est l'un des coachs capés dans ce pays, vous comprenez un peu. Donc moi je crois qu'au niveau du jeu, c'est intéressant. Ça veut dire que tous ceux qui vont dans les matchs ont, comme a dit Mahop, c'est sauf peut-être l'arbitrage, mais dans, au niveau du jeu, c'est quelque chose que dans les années à venir, vous allez voir le football camerounais arriver à un niveau, parce que la saison prochaine, comme le dit l'Afrika Foot, il n'y aura plus deux sous-poules, il n'y aura plus de play-off. Il y aura seulement un champion direct. Ouais. Parce que c'est ça qui fera en sorte que le championnat sera plus attrayant. Je crois que les play-offs et play-downs sont en train de montrer aux spectateurs camerounais aujourd'hui qu'à chaque équipe, il y a la valeur ajoutée. Il faudrait donc plus que les gens se mettent plus au travail. Voilà. Et que les dirigeants puissent laisser les entraîneurs travailler. Parce que le plus grand problème aujourd'hui pour le football camerounais, c'est que le dirigeant se dit qu'il a un mot à dire. Il n'est pas dans le début de la séance d'entraînement en semaine, mais il est à son bureau, qu'il laisse les entraîneurs faire confiance aux jeunes joueurs, parce que c'est là où le football camerounais, et que à travers ce football, on verra quand même un championnat comme à notre époque, parce qu'en 91, moi j'ai joué un championnat qui était plus attrayant, quand les Lions quittaient de la Coupe du Monde, c'était un très grand championnat. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il avec le canon sportif de Yaoundé, Serge Zambo, dans ces play-offs? On a vu le mouvement sur le banc de touche en plein play-off. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Oui, disons que la question, vous faites bien de la poser. Dire qu'est-ce qui se passe, c'est juste. Déjà, à mon avis, je suis un peu contre la formule. Sauf que ça m'a rattrapé avec ce que Ernest venait de dire tout à l'heure. Dans un certain contexte, quand je disais que je suis un peu contre la formule, je me suis dit qu'en termes de play-off, il aurait fallu, quand on a deux poules, c'est-à-dire qu'on se dise qu'on prend les deux premiers là-bas et qu'ils s'affrontent, vous voyez un peu, et que dans l'affrontement, qu'on dégage une finale et que les deux finalistes puissent jouer et gagner le titre de champion. Voyez-vous, l'année dernière, quand on sport de Garoua a terminé deuxième dans la soupoule de où Canon était premier et Coton devient champion. Je me dis, on aurait peut-être pensé, c'est vrai que leur manière de penser, c'est en faisant les play-off down et les play-on up, c'était de voir qui descendait pour revenir à 16. Mais avec la formule dont je parle, on pouvait également faire quelque chose pour pouvoir prévoir qu'on revienne également à 16. Et maintenant, il a dit quelque chose de très important. Il a parlé par exemple de la fraîcheur physique. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le canon, et certainement aussi, on n'a pas trop de jeunes. Ça aussi, il l'a dit. Le foot aujourd'hui, c'est un peu plus la jeunesse. Parce que quand on voit, on a vraiment beaucoup plus de joueurs d'expérience, mais qui, apparemment, en termes de fraîcheur physique, ça n'a pas pu donner ce qu'on attendait. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que quand on voit le canon jouer, le canon pose très très bien le ballon. On ne joue pas forcément mal. Mais on pêche beaucoup plus dans la surface, donc en termes de finition. Parce que même hier, j'ai vu des occasions, depuis, c'est vrai que l'arbitrage entre guillemets, qu'on refuse, il y a un pénalty qu'on refuse. Voilà, bon, mais je vois quand même deux ballons en cloche qu'on envoie dans le dos de la défense. Et les joueurs de canon se retrouvent à trois. Un a le ballon et ils sont trois face au gardien de but.
Vous voyez un peu, au lieu d'aller de jouer à l'essentiel, c'est-à-dire que lorsque tu as là, tu as fixé le gardien, Mabouka ne me dira pas le contraire, je suis là, j'ai fixé le gardien, j'ai mon joueur ici, tu envoies, lui il peut proposer tranquillement. Mmh. Mais le joueur de canon essaye plutôt de vouloir dribbler le gardien de but, ce qui est une tâche difficile. Ils ont fait ça par deux fois. Mmh. Le match d'hier, Mayop était avec moi, je l'ai aperçu au stade, parce que nous on se voit chez Mayop au stade, comme il a dit, on n'a peut-être pas encore partagé un plateau ensemble depuis le début de l'année, mais on se voit au stade, on a essayé de l'analyser. Le match d'hier, on ne se serait attendu à peut-être un Opo pour 3, un canon même 1 ou un canon 2. C'est-à-dire, ou même un 3-3, pourquoi pas, ou même un 4-3. C'est-à-dire que si on essaie aussi de compter les actions qu'Opo aurait eu entre-temps. Donc, voilà en gros ce qui se passe avec le canon. Bon, maintenant, le changement d'entraîneur n'est pas dû au résultat. C'est-à-dire que lors de la première journée, l'entraîneur du canon, peut-être sous le fait de la pression, M. Atangana, a eu un choc. Et puis, il est tombé sous ce choc-là. D'autres parlaient qu'il a évité même un AVC et autres. Et les deux matchs qui ont suivi ont été assurés justement par le préparateur physique. Parce que même l'entraîneur adjoint également est malade. Quand je parle de Semé. Lui aussi étant malade. Donc, ce qui fait qu'on était quand même obligé de refaire avec un autre coach. Mais l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu hier. Donc, voilà à peu près ce qui se passe dans le canon. Nous sommes, c'est vrai, choqués, on n'est pas très contents. Mais on se dit que à Beauforger, vous voyez un peu, si on devient forgeron, c'est parce qu'on a Beauforger. Je crois que les années prochaines, on va toujours tirer les enseignements des play-offs de cette année pour voir comment est-ce que le championnat va reprendre l'année prochaine. Et cette fois-ci, il vient de le dire, on sera à 16. Je crois que Canon, Coton, Bamboutos et autres, Union et tout le monde, ceux qui vont rester, devront batailler pour qu'en fin de saison, quand tu es premier, que tu le demeures. Bon, maintenant, l'autre question aussi, moi je peux en être fier. Il a dit tout à l'heure que Coton Sport voudrait conserver le 18e titre pour en atteindre le 19e. Je veux bien. Vous voyez un peu, mais nous souhaitons également que lorsque vous sortez sur le plan africain, que vous essayez de faire un peu ce que Canon, Union et autres ont fait d'antan. Parce que moi, je peux être assis aujourd'hui, je veux bien. Moi, j'ai 4 étoiles. Sauf que Union doit avoir une ou deux. Mais Coton en 19 fois champion, mais aucune étoile. Et ça, je le parle sur le niveau national. Ça termine aussi un tout petit peu le football camerounais qui est en descendant. Il a même dit, quand on parlait en offre, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas être comme les Simba? Pourquoi ne pas être comme tels qui sont constamment dans les rois? Et je veux terminer en disant que, justement, ce que nous avons vu par rapport à l'arbitrage hier, lors des deux matchs, hein, ce n'était pas seulement le match de Canon, même le match de Dynamo-Corom, c'était également presque pareil. C'est justement, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que, lors des compétitions internationales, on se retrouve à ne pas avoir d'arbitre. Ou, au bout, on a peut-être deux arbitres assistants, comme lors de la dernière CAN. Il faut donc que les arbitres se réveillent, parce qu'il ne faut pas seulement se dire qu'on travaille pour essayer d'entraîner uniquement au niveau du Cameroun. On doit aussi sortir. Sortir chez nous, c'est quoi? C'est ces matchs africains. Tout à fait. Voilà, c'est ces matchs de CAN et même c'est ces matchs de Coupe du Monde. Mm-hmm. Qui dit qu'un arbitre camerounais ne peut pas aller arbitrer en Coupe du Monde, même s'il est assistant. Mm-hmm. Donc voilà un peu ce que je relève par rapport à ces playoffs. Alors, et Canon également. Voilà, pour sortir, Mathieu Nathanael Ndiok, quel bilan, quel parcours pouvez-vous faire justement de ces playoffs? Mais c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à corriger, aussi bien dans l'organisation, aussi bien sur l'aspect administratif des clubs et sur l'aspect technique des clubs. D'abord, la formule ne m'a jamais intéressé. Cette formule avait ses play-offs. J'estimais que c'était une formule qui tirait le football camerounais vers le bas et qui n'avait aucun objectif à améliorer les performances des équipes. Parce que, comme vous avez appris, il y a des clubs qui n'arrivent pas à se loger, qui doivent rentrer, revenir. Et les clubs ne sont pas à la même enseigne, comme on avait prétendu les mettre à la même enseigne, à valeur égale pour essayer. Et puis, on joue, curieusement, on ne peut pas jouer les play-offs sur des stades réduits, des stades faits pour faire jouer le football jeune, des cadets. On fait jouer des seniors. Ça pose problème. La qualité de jeu en dépend. Et puis souvent, pour les coachs, l'animation, le plan de jeu ne marche pas toujours comme on avait prévu parce que la surface est très réduite. Et donc, pour moi, il y a des grands stades. Je ne sais pas pourquoi on a mis tout ça. C'est une question de programmation aussi.
au niveau de l'Africa Foot parce que on tergiverse, on n'a pas les dates exactes et donc on ne peut pas obtenir. Tu peux te couper ? Juste une minute. Est-ce que tu sais que la dernière fois, les playoffs qui se sont joués hier, le match, le communiqué de l'Africa Foot avait prévu que Canon jouerait après à 16h et que c'est Colombe qui commencerait. Voilà. Oh, si moi je dors. Même si quand tu me réveilles, nous savons tous ici que c'est celui qui est le mieux placé, qui a la primeur du jeu du dernier match. Vous voyez un peu. C'est vrai que dans certaines années, on a eu, tu m'excuses, hein, on a eu des matchs comme Canon Union, qui étaient souvent mal placés, mais, et un TKC quelque chose. C'était donc une entente entre les quatre clubs pour pouvoir laisser Canon Union finir. Ça, j'étais plus jeune, au niveau du stade Omnisport à Yaoundé. Mais je te dis, on a spéculé puisqu'on est sortis du travail. C'est-à-dire que je me dis, bon, je peux gérer mon travail en me disant, voilà, je peux arriver avant 16h. Mais après, quelqu'un d'autre m'appelle et me dit que non, nous jouons plutôt à 14h. Vous voyez un peu. Alors que la programmation, je dis, je l'ai signée du secrétaire général de l'Africa Foot, prévoyait que Canon devrait jouer contre Opopo à 16h. Et c'est pour cela que Dataev parle de l'organisation et il a raison. Merci. Non, c'était juste pour. Tout à fait, nous sommes au courant de tous ces ratés-là. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites à quoi bon vous, ici, on a l'impression de rester sur Elite One. Mais quand vous regardez Elite Two, vous apprenez le match, Liopa ne sait pas jouer, Liopa est rentré, Liopa a failli démissionner, arrêter la compétition. Tout ça n'est pas beau. Tout ça n'est pas beau. Et quand vous regardez dans l'ensemble, on vous dit que les quotes-parts des retombées publicitaires et de sponsoring qui doivent revenir au club, qu'on appelle abusivement subvention au club, le mot est péjoratif de dire que c'est une subvention. Ce n'est pas une subvention de la fédération. C'est une quote-part des retombées publicitaires. C'est les clubs qui font le spectacle et les retombées publicitaires, ils doivent en bénéficier. Absolument. Chez les Blancs, il y a à côté de ces quotes-parts publicitaires, il y a les retombées des retransmissions TV. Les droits TV qui sont redistribués, qui sont des droits. Et on définit le mode de redistribution. Sans oublier que chaque année, l'État du Cameroun donne 560 millions comme elle avait toujours donné à la fédération. On donne l'argent au club, mais on ne les dit pas à quoi ça représente. La cagnotte a augmenté, mais on doit avoir un souci de transparence. Les clubs ont ce droit. La fédération appartient au club. Ce n'est pas une faveur qu'on vienne mettre les clubs devant les faits accomplis. Qu'on cantonne les recettes des stades et puis qu'on commence à les redistribuer à la tête du client. Un club qui a pu faire la saison d'avant près de 20 millions de recettes de stade, qui se retrouve après 18 matchs avec 1 million d'euros, et les autres qui ont fait les 5 millions de recettes de stade se retrouvent avec 63 000, sans qu'on ne leur dise le cantonnement a donné combien globalement. Qu'est-ce qui est resté dans l'allocation des stades? Qu'est-ce qui est resté dans tel pan de dépenses? Et voici ce qu'on répartit. Et comment elles sont les réparties? Je trouve que toute cette organisation, et j'ai toujours dit aux gens, les recettes du stade font partie d'une ligne importante dans le budget d'un club. Ce n'est pas une ligne négligeable. Alors quand ils perdent ça, dans un environnement comme le nôtre, où les supporters ne cotisent plus assez, comme à l'époque, dans les années 80, 90... C'était le canon, hein. Oui. Non, mais papa, c'est quelques cas marginaux. Mais il a raison, mais c'est quelques cas marginaux quand même. Mais il a raison. Non, j'ai dit. Avant, accepté, ça faisait je suis d'accord avec lui. Donc, dans ce moment-là, on se dit quand même que. Quand, et puis, quand vous revenez maintenant sur l'ère des jeux, la qualité technique n'est pas ça. Quand vous regardez bien, vous voyez que beaucoup de clubs ont des joueurs qui sont carbonisés. Et on continue à avoir un championnat où on voit des joueurs de plus de 30 ans. Et les clubs qui ont une moyenne d'âge de 28-30 ans au Cameroun. Alors, je crois que, comme Mabouka disait, il faut donner la chance aux jeunes. Il faut qu'on repense le football et que les dirigeants aient le courage de mettre les jeunes sur les aires de jeu. Ces jeunes-là, c'est eux qui font le football. Quand vous regardez sur le plan mondial, bien sûr. Les équipes ont majoritairement les joueurs de moins de 22 ans. Au Cameroun, on ne peut pas expliquer qu'on soit encore en train d'utiliser sur 11 entrants au moins 8 joueurs qui ont plus de 30 ans. Et même quand ils ont officiellement 26 ans, on te dit qu'ils ont 10 ans, 12 ans
de première division au Cameroun, il ne peut pas avoir 26 ans. Ça pose les problèmes de tricherie sur les âges. Donc, tout ça là, il faut régler. Ouais. Et moi, je croyais que la mandature actuelle aurait apporté quelque chose. Notamment, parce que pour moi, ce n'est pas l'exécutif de l'Afrikafoot qui est en charge. C'est l'aspect administratif, c'est le secrétaire général et toute son équipe qui devrait implémenter la vision du président élu, de l'exécutif élu. Je ne vois pas ça être implémenté. Et si je ne vois pas de sanctions, ça veut dire que l'exécutif valide ça. Et pour moi, modestement, de mon point de vue, j'estime qu'il y a anguille sur roche, il y a échec dans l'organisation du football camerounais. On aura le temps de revenir évidemment pour le bilan de ces playoffs. Vous l'avez déjà fait. Hein. Je pensais qu'on aurait des retards. Non, vous l'avez déjà fait. Parce que j'étais titillé. On va donc poursuivre en rentrant dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat que peut le nouvel entraîneur des Lions Indomptables dans un contexte de crise entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de football. Vous le savez, le technicien Marc Brice, il est belge, il a été donc installé ainsi que les autres membres de l'encadrement technique de l'équipe nationale. C'était en début de semaine par le ministre des Sports du côté de Yaoundé. On va vous proposer de revenir sur cette cérémonie. Dans son reportage que signe Inès Pangan à Yaoundé. Son absence n'a pas surpris et a confirmé le bras de fer qui existe entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, n'a pas répondu à l'invitation du ministère de tutelle, à l'audience et à la signature du contrat du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Monsieur le président de la FECAFOOT, empêché. Une chaise vide qui n'a pas empêché au déroulement de la cérémonie de signature des actes d'engagement et d'installation du nouvel encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin qui se fait ce 8 avril à la salle des conférences du MINSEP à Yaoundé. Les missions de cette nouvelle équipe sont clairement précisées. À grands traits, se résume à très court terme en l'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN Total Énergie Maroc 2025. Nommé par le ministre des Sports, Marc Brice, 61 ans, devient le troisième Belge à prendre les rênes des Lions Indomptables du Cameroun après Hugo Brosse et Henri Despireux. Il remplace le Camerounais Rigo Besson après une participation peu glorieuse du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et est mis à la disposition de la Fédération Camerounaise de football. Messieurs les entraîneurs, recruté par l'État, vous êtes dans les règles de l'art et comme de tradition mis à la disposition de la FECAFOOT pour emploi et gestion. La signature des contrats se fait après une audience accordée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique aux membres du nouveau groupe d'encadrement de l'équipe nationale senior de football masculin. On va travailler dur, on va travailler avec un millier et on va réussir. Je pense que, et les joueurs bien sûr, mais aussi le peuple, ils ont besoin d'un résultat et on va essayer. C'est pas un promis, mais on va essayer, on va faire tout ensemble. Tu as vu, on a une grande équipe à côté, tout avec beaucoup de talent et beaucoup d'expérience et avec cette situation, ça doit être assez pour créer un bon résultat que tout le monde va, et tous les Camerounais sont fiers de ça. Vous arrivez dans un climat qui n'est pas serein, est-ce que vous comptez penser pouvoir travailler tranquillement? Tranquillement? Je ne connais pas le mot tranquillement. Non, bien sûr, je connais la situation, c'est complètement différent
comme d'entraîner les clubs. Mais il y a toujours des moyens. J'ai la philosophie. Je ne pense pas que c'est possible de réaliser ça en 2, 3, 4 jours. Alors on doit changer un peu de manière, mais c'est déjà dans notre tête. Plus facile ce que ce système et cette tâche des joueurs, mais beaucoup plus efficace. Alors on a vu beaucoup de joueurs déjà, et c'est à nous de prendre les meilleures décisions, bien sûr. Et je vais écouter le peuple. Voilà pour ces quelques séquences de la cérémonie d'installation des membres du nouveau staff technique des Lions Indomptables. Peut-être un commentaire, Mathieu Nathanael Ndjok. Vous avez suivi les péripéties qui ont entouré la venue du nouveau technicien belge. Alors qu'on l'annonçait, peut-être pour le 12, je crois, il est venu plutôt quelques jours avant. Et le lendemain, signature des actes d'engagement, installation, conférence de presse, c'est allé très très vite. Et même hier, on l'a vu déjà commencer la tournée de visite des infrastructures sportives. On l'a vu qu'il était du côté du complexe, voilà, comme on peut le voir sur cette image, du complexe multisport d'Olembe. Pour justement commencer justement à s'imprégner en ce qui concerne les infrastructures, hein, où est-ce que les Lions vont pouvoir jouer, etc. Quelle est l'analyse que vous faites justement de tout et le contexte même de son arrivée au Cameroun? Bon, je dois d'abord dire que pour moi, c'est une satisfaction de savoir qu'on a doté l'équipe nationale d'un staff technique, enfin, parce que nous avons raté une période de FIFA. Avec une double fenêtre. Qu'on aurait pu capitaliser pour une équipe de Lyon qui n'a plus de fond de jeu et qui a des jeunes joueurs qui n'arrivent pas à se retrouver, qui ont des difficultés de s'imprégner. C'est des périodes FIFA comme ça qu'on doit mettre à contribution pour essayer de leur donner du temps de jeu, pour les permettre de se familiariser avec la tanière, avec l'esprit Lyon, avec la pression du Cameroun, avec les attentes du public. Et puis même avec le poids du maillot. Malheureusement, on n'a pas pu exploiter ces périodes FIFA parce qu'on n'avait pas de staff technique. Maintenant que ce vide-là est comblé, je ne peux que me réjouir. Donc, maintenant, tout ce qui a entouré l'arrivée du staff avec la polémique autour à l'allure d'un bras de fer, je dirais même d'une défiance à l'endroit du chef de l'État, je reste quand même beaucoup plus apaisé aujourd'hui que la diversion et l'esbrouf que certains ont entretenu pour essayer de mettre en doute les hautes directives du chef de l'État en disant que ce n'est pas ce que le chef de l'État a dit, comme si le chef de l'État devrait, comme la République est devenue sur les réseaux sociaux, je crois que maintenant même les communications téléphoniques et les échanges, les directives du chef de l'État doivent se retrouver sur les réseaux sociaux. Tant que ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Mais malheureusement, nous avons une antériorité qui montre qu'il y a 2 ans, lorsqu'on nommait son, c'était dans la même procédure qui a été respectée. Et donc pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, je crois que c'est passé derrière nous. Il faudrait simplement que les gens retiennent une chose. Je ne veux pas entrer dans le juridisme. Je voudrais simplement rappeler aux gens une chose. L'autorité de l'État. La raison d'État. Et l'État est un monstre froid. Ces trois notions-là, quand vous les avez intégrées dans la gestion des affaires administratives, vous ne vous amusez pas lorsqu'un président de la République a, dans son adresse à la nation, donné, annoncé des prémices des changements qui vont arriver. Que cela nous plaise ou pas, on doit retenir que c'est le chef de l'État. Maintenant, si les gens veulent même, ils en profitent
pour faire ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas à nous de leur juger. Laissons que le chef d'État apprécie que ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais nous, on sait que le chef de l'État a annoncé des directives, des hautes directives qui vont être appliquées. Et on sait que si le chef de l'État est arrivé à ce niveau, il faut que les Camerounais sachent que on a, le chef de l'État, on ne devient pas, on n'est pas élu président de l'Afrikafoot parce qu'on est fort. Nous qui sommes dans ces arcanes de ces élections-là depuis des années, c'est à la présidente de la République que ça a toujours été décidé de qui est le président de l'Afrikafoot. Laisser les singeries électorales qu'on organise là, d'ailleurs, tous ces candidats-là cherchent toujours le couloir de la présidence pour aller avoir l'onction du président. Et quand vous avez l'onction du président, vous êtes élu, vous savez donc que la fédération, la gestion du football camerounais est un service public qui a été transféré à l'Afrikafoot par l'État du Cameroun. Quand ces notions-là sont mises ensemble, vous comprenez donc que si le chef de l'État avait des infos, a confié la gestion du football à son fils Eto'o, il faut le dire comme ça, il ne faut pas se le cacher. Le 11 décembre 2021, il lui a donné les mains libres. Il lui a donné carrément un chèque en blanc, en espérant que, avec toute sa notoriété, il va redresser le football camerounais qui allait mal, et notamment les Lions indomptables, et que on se retrouve dans les mêmes travers. Crise dans la tanière à la CAN, crise dans la tanière à la Coupe du Monde, et que les résultats ne suivent pas, le fond de jeu ne suit pas, et qu'on est dans les scandales, dans... Mais est-ce que quand même l'exécutif a eu le temps, vous faites bien de rappeler que c'est 2021, est-ce qu'il a eu vraiment le temps de pouvoir asseoir? Je vais vous dire que je crois qu'il y a un administratif sur la table. Quand on veut parler du temps, on met des paliers. Aujourd'hui, on est dans une navigation en vue à l'Afrikafoot, dans la gestion du football. Quand un président arrive et qu'il veut changer des choses, il a 4 ans, il se donne une programmation, il prend le public à témoin, il dit, j'ai, en première année, je fais ça. Deuxième année, je fais ça. On m'évalue, et comme ça, quand il n'achève pas, tout le monde dit que on commence à voir les changements, mais on est resté dans les mêmes travers du football camerounais. Les présidents de clubs qui grincent les dents, qui réclament ceci, qui font cela, les joueurs qui ne sont pas payés dans les clubs. Aujourd'hui, on peut mettre une application, une administration qui permette que les joueurs touchent leur argent depuis l'Afrikafoot. Si la fédération continue à les remettre au club, c'est qu'elle sait que c'est dans une bisbille, ils doivent se tenir. Et elle en profite pour tenir les clubs. Dans ce genre-là, rien n'a changé dans l'organisation. Moi, je veux voir des choses changer positivement. Dans l'organisation, je ne les vois pas. Donc, quand le chef de l'État a des renseignements sur ce qu'il y a, quand le chef d'État dit ce qu'il a dit, le 10, c'est un peu, je pourrais dire, ça, il voulait exprimer lui-même sa déception. Même s'il a habillé ça pour dire que c'est la déception du peuple camerounais qui met son argent dans la gestion d'un lieu indomptable, c'est la déception du chef de l'État. Et aujourd'hui, il a donné des directives, on doit les appliquer. Parce que ce que je voudrais dire, pour chuter, il faudrait que les gens sachent que quand on parle de l'autorité de l'État, l'État est considéré comme la souveraineté du peuple qui est remis entre les mains du président de la République que le peuple élit. Et c'est lui qui, donc, assume cette souveraineté du peuple à travers le poste du président de la République. Et à ce poste-là, je le rappelle, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut dissoudre le Sénat, il peut dissoudre l'Afrikafoot, il peut dissoudre un ministère, il peut même aller à l'encontre, même en violation de ses propres décrets, que lui l'a signé. Il dit que j'ai signé ce décret, mais je dis que pour des questions du bien commun des Camerounais, du bien public des Camerounais, ce décret est anachronisme, ne me permet pas d'atteindre aux objectifs. Je passe outre, et en ce moment, il passe par les directives. Et on ne vient pas discuter les directives d'un chef d'État. Et on ne vient pas demander ce que le chef d'État a dit. Vous savez qu'il a donné les directives. Quand le chef d'État avait donné le blanc-seing au président de l'Afrikafoot actuel, il ne s'était pas mis en public.
on le sait parce que on est informé, nous sommes des journalistes, on lui avait donné le blanc-seing. Mais aujourd'hui, quand on lui a donné des... Et on a vu ce blanc-seing, quand il a voulu changer l'entraîneur, il a là la présence, le président a dit que comme il a dit, ce qu'il veut, on lui donne d'abord. Quand il demandait l'argent pour les Lions, on mettait à disposition. On voulait que l'exécutif de la fédération aujourd'hui réussisse. Elle n'a pas réussi. Qu'elle accepte que l'État reprenne la main sur ce qui est son bien, son patrimoine, et maintenant essaye de voir ce qu'il faut faire et lui remettre les hommes avec lesquels ils doivent travailler, parce que tous ces hommes-là qu'on a mis vont travailler avec la fédération. C'est la fédération qui doit savoir comment les accueillir et travailler avec eux. Il n'y a pas à créer un conflit. Il faut que les gens arrêtent le juridisme de ceci, de ce qui est avant, de ce qui a la prédominance. Et ça, ça ne sert à rien. L'autorité de l'État est au-dessus de tout ça. Alors Serge, est-ce aujourd'hui, quand même, il y en a qui estiment qu'il y a eu ingérence et qu'on pourrait être sanctionné par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. Quel est votre regard par rapport à ça? Déjà, de prime abord, je ne pourrais pas parler d'ingérence. Donc, cette affaire s'est passée, si vous voulez, en 5 étapes. Il me souvient qu'au lendemain de la CAN 2021, le ministre des Sports actuel, parce qu'il n'a pas changé, le gouvernement n'a pas changé, annonce dans Actualité Hebdo que le coach Conseil sera reconduit. Absolument. Voilà. Absolument. Nous tous nous sommes là. A-t-il pris langue avec la Fédé? Ne l'a-t-il pas pris? Mais il me souvient également que quelques jours après, on dit non, ce n'est pas ça, c'est plutôt Sambana qui sera l'entraîneur. Nous avons tous applaudi. Et je me souviens que j'étais à une émission ici où un de vos reporters a fait un papier. Et sur le papier, il disait le ministre, le président de la fédération recadre le ministre. Et je me suis insurgé qu'on ne peut pas recadrer son supérieur. Soit. Et je dis la deuxième étape encore de cette affaire, c'est que il y a eu le discours du 10 qu'il a évoqué tout à l'heure. Si on le lit le 10 février 2024, si, pas 10 février, ça annonce les prémices de que quelque chose va se passer. Après le discours, il y a une réunion qui s'est tenue au premier ministère. Vous voyez un peu. Et de la réunion du premier ministère, il ressortait quoi? Il ressortait qu'on avait mis en place un groupe de travail qui allait se donner pour tâche, à qui on donnait pour tâche de trouver un nouveau staff pour l'équipe nationale. Et ce ministère, ce groupe de travail avait été associé à la FECAFOOT, parce que la FECAFOOT assiste à cette réunion avec le président de la FECAFOOT, qui est là lui-même, Thierry Do et autres. Et maintenant, même s'il faut parler de l'ingérence, comme vous dites, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines... certaines régulations dans la vie publique au niveau étatique qui veulent que on ne puisse pas permettre à quelqu'un, individu, de pouvoir avoir tout. À un moment donné, l'État peut te créer ceci par décret, mais dans le même texte, il met autre chose pour essayer de te bloquer le cas échéant, ce que Nathaniel Nyon a appelé la raison d'État. Il y a donc, dans ces deux articles, un, quand tu le lis, la FECAFOOT a bel et bien raison. Mais il y a un autre qui te dit que, c'est ça qu'on refuse de voir, l'article 9, je vais le lire, il te dit ceci. Excusez-moi. L'article 9 de la Convention. Voilà. Il te dit, bon, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, il te dit que... Vous pouvez... Dans la Convention MINSEF FECAFOOT, notamment en son article 9, alinéa 2, que l'État octroie de recruter et le devoir de mettre à disposition le sélectionneur et les membres d'encadrement technique des équipes nationales. Donc l'État peut donc faire fi du décret et revenir sur la convention et prendre donc et met donc en... Il faut bien sélectionner et membre du staff. Et membre du staff. Parce que les gens ne lisent jamais ça. Il dit donc en ce moment-là, à partir de ce moment, moi je ne suis pas de ceux qui aujourd'hui pense beaucoup plus qu'il faut calmer le jeu. D'accord? Il ne suffit pas de dire qui a tort, qui a raison. Parce que quand on essaie de regarder les deux pans, tout le monde peut avoir raison ou tout le monde ne peut pas l'avoir.
Vous voyez un peu. Mais, en ce qui me concerne, ce que nous devons préserver, c'est l'image du Cameroun. Parce que là, si on arrive à une situation de crise, telle que vous l'avez évoqué dans le sujet qui est en train d'être débattu en ce moment, vous voyez un peu, c'est justement parce qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela. Et je pense donc, à partir de cet instant, la question que vous m'avez posée, c'était de savoir si... S'il y a un gérant, et puis voilà. Si c'est possible que la FIFA frappe du poing sur la table. Non, la FIFA ne frappera pas le poing sur la table parce que le Cameroun, l'État a mis à disposition un staff. Moi, et puis je t'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas de ceux qui disent que tel camp a tort ou tel camp a raison. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui prévaut pour moi ou pour nous tous, c'est juste que le Cameroun reste grandi. À partir du moment où ça a été fait, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient, quels que soient les cas, de s'asseoir sur la table, de discuter, de bavarder et de trouver un compromis pour qu'on aille de l'avant. Comme on le dit au quartier. Mais la fédération a indiqué, hein, on a vu les différents courriers, l'échange épistolaire. Oui, ça c'est l'esbrouf. Il a dit. Voilà, on n'a pas été associé au processus de recrutement. Oui. Nous ne reconnaissons pas. Quand vous faites des propositions avec des montants, vous demandez des paiements, vous dites que vous n'avez pas participé au processus. Makedan Lidi, est-ce que vous pouvez envoyer une liste d'entraîneurs? Les CV, les montants, les prétentions. Les montants et les prétentions, sans que vous n'ayez pas. Et même les modalités de paiement. Il faut le grand technique, non? Hein? Est-ce que vous pouvez. Le ministère n'a pas le grand technique. Non, écoute. Pardon, c'est là où vous fauchez tout. Non, on ne fauche pas tout. C'est vous qui ne comprenez pas ce qu'elle appelle le ministère. Le ministère n'a pas l'organe technique. Oui, technique ne veut pas dire ce que tu veux dire là. Il devrait faire quoi? Le ministère devrait faire quoi? Non, non, non. Moi, je vous dis très clair. Non, c'est moi qui avais même la parole. Bon, ok. C'est un débat. Oui, oui. C'est interactif. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voulais finir en disant que j'ai bien dit dans mon propos, il y a le discours, il y a eu la réunion au premier ministère. C'était donc à l'occasion de la réunion du premier ministère qu'on devait donc tenir le langage que Mabouka tient aujourd'hui, que ce n'est pas le ministère des Sports n'est pas l'organe technique, que c'est nous l'organe technique. À partir du moment où vous sortez de là. Mais tout le monde sait que la fédération est l'organe technique. Nous sommes d'accord, mais à partir du moment où. Mais l'organe technique veut dire quoi? Je prends un exemple pour vous dire que si on est à STV, si le propriétaire de STV nomme un directeur général à STV, avec des pouvoirs limités en lui disant « Tu me gères mon entreprise, mais si c'est pour recruter un personnel, c'est moi qui recrute. » S'il recrute, il met à la disposition du DG. Le DG est l'organe managérial, l'organe technique, l'organe administratif. Il utilise donc le personnel en question. Qu'on met à sa disposition. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Non, je n'avais pas chuteur. Donc, je disais donc qu'à partir de cet instant, moi, je ne vois pas d'ingérence là-dessus. Vous voyez un peu. Il n'y a pas d'ingérence. Nous attendons voir ce qui va se passer. Mais j'ai indiqué que lorsqu'il y a une crise, on s'assoit, on essaie de voir. Et je vous dis que ce qui se passe, le ministre des Sports n'est pas fou. Ce qui se passe, et Nathalie Dorlin l'a indiqué tout à l'heure, si depuis que ça se passe, il y aurait déjà eu un souci, je suis sûr que Etoudi aurait demandé d'arrêter. Or, si Etoudi continue à laisser que ça continue, ça veut dire qu'il est dans son droit et qu'Etoudi est derrière plutôt le ministère. Quitte à ce que le fils, comme on l'appelle là, qui aime bien dire papa, maman, se retrouve sous l'arbre de la sagesse et revienne sous le monde de Suisse. Pourquoi? Il y a eu aussi beaucoup de dérives, beaucoup de dérapages. C'est aussi ça que l'État a arrêté. Ces instructions constantes dans les vestiaires, hein? Ces entraînements dont Tikou a parlé. Est-ce que vous avez vu ça dans quel pays où le président de la fédération est en même temps entraîneur? Qu'ils disent qu'ils veulent être plutôt entraîneur, c'est aussi facile que ça. Aussi, autant, et toi, fait de très bonnes choses. Il a mis les joueurs dans de très bonnes conditions, je l'ai toujours dit. Il a les problèmes de primaire, on ne les voit plus. Les gars sont bien logés quand ils s'en vont. Autant, quelque part, il y a eu des manquements. Il y a eu des manquements avec le coq sportif. On nous a amené All Sport aujourd'hui. On ne sait pas, ça sort de. Donc, quand tu as acheté là où il est situé. On nous a amené, par exemple, quand c'est ça, où on va encore repayer. Vous voyez un peu? Autant il y a certaines choses. Et je crois donc que c'est au bout des choses. C'est visible. On ne prend pas des choses qu'on a inventées. Même d'il y a des choses de l'État, où il était assis. Il a regardé la Coupe d'Afrique des Nations. Il a entendu ça et là. Il a peut-être même... L'homme le plus renseigné du Cameroun. Peut-être qu'il a vu des choses. Il ne peut pas se lever. C'est le chose de l'État. Il ne peut pas se lever le 10 février pour dire quelque chose. Et il bien dit, nous y veillerons. Nous y veillerons. Mais les gens il va veiller comme ça. Il dit des paroles en l'air et il dit « Leur gouvernement a reçu des instructions
là-dessus à travers le ministère des Sports. Qui est le ministre des Sports aujourd'hui? Et nous y veillerons. Et nous y veillerons. À l'application. Voilà. Il dit que l'État consent d'énormes moyens. Il a dit tout à l'heure qu'on lui a donné tout ce qu'il avait, besoin. Et il a aussi également indiqué, à tort ou à raison, que lorsqu'on veut être président de la FECA Foot, le couloir, c'est l'ancien, voilà, vient d'accord. De là-bas. Merci bien, on est Serge. D'accord là-dessus. Réaction, Ernest Mabouka, vous souhaitez intervenir tout à l'heure. Bon, je crois que... moi, je vais parler technique. La Fédération Camerounaise de football a une direction technique. La majorité des membres... Vous rappelez que la FECA Foot, c'est l'organe technique. Tous les membres de la direction technique de la Fédération Camerounaise de football sont... les employés du ministère de la Jeunesse des Sports. Les employés du ministère de la Jeunesse des Sports, ça veut dire que le directeur technique Mbarga et le reste. Vous comprenez un peu? Et vous avez l'homme le plus puissant actuellement qui travaille avec la FIFA et la CAF comme instructeur élite qui est Song Kang. Il tient. Ok? Ce qui veut dire que dans ce travail, ok? Quand vous regardez ce qui se passe, je vais vous rappeler quelque chose de très simple. Après 2002, nous avons fait 15 ans pour gagner 2017. Ouais. Coupe d'Afrique. Ouais. Après 2017, nous avons joué... Vous êtes, il a encore fait 15 ans? Oui, s'il vous plaît. On a joué une Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Ouais. On est parti Côte d'Ivoire en 2023. Oui, sorti au second tour. Est-ce que parce que cette nouvelle fédération a les yeux de Dieu ou bien la sorcellerie de Dieu pour vite gagner une Coupe d'Afrique encore là? Est-ce que en 2017, quand on gagnait une Coupe d'Afrique, on avait une équipe? Ce qui veut dire qu'en 2017, tous ceux qui sont journalistes et tous ceux qui sont techniciens avait dit que le Cameroun n'atteignait pas les quarts de finale. On a eu la chance. On a eu 7 Coupes d'Afrique. Ok? Moi, ce qui m'embête, c'est que l'administration que nous avons s'ingère dans des choses techniques. Ce qui n'est pas bien. Ça alors? Tu viens de dire quelque chose maintenant, qu'on s'assoit sur la table, on discute. Et puis, nous créons les résolutions qui ne vont pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Ouais. C'est comme ça que les hommes sages travaillent. Ça veut dire que si je ne suis pas content de ce que tu m'as proposé, en tant que fédération, je viens vers toi pour te dire que voilà des personnes que nous avons reçues comme demande au niveau de la proposition que le ministère a. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui s'est passé. On discute? Non. Si. Quand la FECA Foot vous dit que à travers les réseaux sociaux que nous pourquoi avons... Pourquoi est-ce qu'on récupère donc les dossiers des autres? S'il vous plaît, je suis en train de parler. Je parle maintenant en technique. Oui, vas-y. Ce qui veut dire que dans cette réunion, si on bagarre là-bas, on fait tout là-bas, que personne dans les réseaux sociaux ou journalistes puisse savoir. Et là, on se dit que nous restons. Parce que quand Nathaniel dit quelque chose de concret, pourquoi nous avons raté le double échéance FIFA? Parce que quelque part, c'était encore que c'est moi, ce n'est pas toi, c'est moi, ce n'est pas toi. Ok? C'est cela qu'on a tradé et on n'a pas pu jouer. Vous comprenez un peu? C'est que je parle donc de l'administration. Puisque l'organe technique à la FECA Foot sait que ces double échéances FIFA, nous devons jouer. Mais je ne peux pas prendre la décision parce que je n'ai pas le pouvoir de prendre la décision de nommer un intérimaire pour jouer les deux matchs. Ce qui veut dire que la FECA Foot attend du haut lieu à la présidence qu'on puisse faire vite pour que nous ayons nos techniciens. Si ça arrive là aujourd'hui, moi j'ai dit c'est malheureux. Pourquoi? Parce que on a utilisé les journalistes. On a étudié les gens qui ne sont pas sur le plan technique pour faire le casting. Je me souviens bien, dans une émission CRTV, le directeur, l'instructeur élite FIFA et CAF, qui est M. Song Kang, dit qu'il n'a pas été consulté. Vous avez encore deux.
vous avez la seule personne actuellement qui est les yeux du Cameroun au niveau du football à la FIFA et à la CAF, où il a plus de 13 pays qui parcourent pour instruire les gens. Deuxièmement, comment... Il n'a pas été consultant, quoi. Je veux bien comprendre. Ça veut dire qu'il a, il dit, il a été consulté par... quand Zidov devait venir au Cameroun, il y avait un collège de techniciens qui devaient ne serait-ce que choisir le technicien qui devait travailler pour l'équipe nationale. Mm-hmm. Bon, maintenant, et ce qui comme me fait encore ça, mal, c'est que... consulté pour ça. Au moment où vous avez ces personnes requises avec ces connaissances qui sont du ministère de la Jeunesse des Sports, ok, créez votre organe technique par rapport à ces gens-là. Parce qu'ils sont sur le terrain et vous les avez formés. Parce que c'est le haut cadre du ministère de la Jeunesse des Sports. Allez même les demander conseil. Quand on les a consultés pour Zidov, Zidov va faire les résultats. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Souffrez un peu que je suis en train de parler. Zidov n'était pas Dieu. Ça veut dire que moi, Mabouka, j'ai dit maintenant que je suis à travers l'équipe nationale, je vais gagner. On les a consultés pour son. Ouais, qu'est-ce que on est dans un débat, moi, je pose aussi. Bon, comme on ne les a pas consultés que son, les autres institutions ont fait que son s'est retrouvé là, entraîneur. Et l'Afrika Foot a signé. Marc Brice, le haut institution. Ok. Non. Bon, je vais arriver à Marc Brice. Voilà. Ok. Mais je veux seulement que vous constatez que les mauvais résultats du Cameroun, vous ne les avez jamais préparés. Quelle est l'équipe? Je prends un cas très simple. Thomas Libye gagne la Coupe d'Afrique de 17. Et qu'est-ce que tu en fais après? Non, attends, c'était. Tu es tellement intéressant. C'est la politique. Je ne suis pas en politique. Ouais. Non, c'est la politique. Je te parle Libye. Ah. Pour qu'on le débarque. C'est la politique. Ok? C'est la politique. Moi, je te le dis clairement. Non, c'est pas ça. Bon, ce n'est pas ça. On verra. Maintenant, je dis donc que. Très bon exemple. Depuis autant de Manga Ongene. Je t'aime bien. Mon ok. Ce que vous n'avez pas fait jusqu'aujourd'hui, vous continuez dans cet amateurisme. Je peux le dire. Pourquoi je le dis amateurisme? Parce que je vais te donner un cas très simple. Ok. Je ne sais pas si à un moment, peut-être si j'ai dit à certaines personnes où j'ai été appelé à l'équipe nationale junior, j'ai été sélectionné à l'équipe nationale junior, j'ai fait ceci, cela, les gens vont dire non, mais j'ai eu une lettre de l'ex président de l'Afrika Foot qui est mort tout récemment, parce que quand vous arrivez en Afrique du Sud pour jouer dans le championnat sud-africain, il fallait qu'on vous donne une lettre qui vous autorise si vous avez été international quelque part, si vous avez été appelé à l'équipe nationale. Donc, c'est pour vous dire que si on avait pensé que dans le football camerounais, qu'on laisse l'administration, qu'on laisse les techniciens travailler, ce qui veut dire que qu'il y ait une bonne organisation de la base jusqu'en haut, on n'aura pas ce problème. Parce que celui qui a été réjoui, celui qui a été l'un des meilleurs entraîneurs à nous donner deux Coupes d'Afrique, l'a dit dans une chaîne de télévision européenne, en disant quoi? Ça veut dire que si on essaie bien d'organiser le championnat camerounais, que l'entraîneur national puisse mettre l'œil aux nationaux, pas aller chercher les binationaux qui n'ont pas l'âme, qui n'ont pas le fighting spirit. Mais ce sont aussi les Camerounais. C'est des Camerounais. Les enfants aussi. C'est la première fois qu'on parle de Lili, je ne suis que personne lambda qui vient penser et dire que ce que ce monsieur a parlé, il connaît le football camerounais. Ils sont nombreux. Vous comprenez un peu? Il connaît bien le football camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cette mélimélo, c'est que et l'administration et l'organe fédéral qui était là avant n'ont pas pu penser à pouvoir ne serait-ce que crescendo, regarder que voilà, si nous sommes organisés comme ça, voilà, nous allons arriver. Quand vous regardez même les nominations au sein de ces équipes nationales, avec Ernest, on va. Je vous le dis, il va conclure. Je vous le dis très simple, c'est que je te connais, Lydie. Je vais te prendre à côté là, sans toutefois avoir ton expertise, sans toutefois savoir que ce monsieur que nous prenons a l'expertise requise qui pourra nous donner des résultats. Je parle là du football, des sélections inférieures jusqu'en haut. Ce qui veut dire que
Vous ne pouvez jamais trouver, je parle à notre époque, parce que le sélectionneur... Quel rapport avec le sélectionneur, la thématique actuelle Non, je le dis pourquoi. Je suis à l'équipe nationale 91 avec le Gobesson, qui fait toutes les sélections avant d'arriver chez les seniors, y compris les Mimpo Serge, tout ce monde, ok, qui revient avoir fait l'ouverture de l'équipe nationale qui avait un fond de jeu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand vous regardez la coupe les Jeux Olympiques, que Jean-Paul Akonaga, qui avait l'ouverture, qui avait des jeunes, qui jouaient, et qui jouaient bien, qui sortaient des sélections juniors jusqu'à haut. Mais si nous ne l'avons pas fait jusqu'à aujourd'hui, je crois que la nomination de Brossard... Ça, l'organe technique, c'est ça que l'organe technique que tu dis là doit saisir. Doit faire. C'est ça donc, ton travail. C'est pour ça que je dis donc. C'est pour ça que je dis donc. Que tu gagnes la coupe d'Afrique. Non. C'est pour ça que je dis donc que si vous n'avez pas consulté l'organe technique qui est à la FECAFOOT et qui sont ces gens qui sont des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et Sport. Vous ne les consultez pas pour recruter. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas consulté ces organes-là? Bon, on se retrouve là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la FECAFOOT dit. Nous, on n'a jamais été consulté par rapport à Bruce. Ouais. Parce que dans la shortlist, Marc Bruce n'était pas là. Comment tu peux dire ça? Il n'était pas dans la shortlist. De la FECAFOOT? Oui, jusqu'au résultat. De la FECAFOOT? Oui. Non, du ministère. Mais la shortlist, ce n'est pas la shortlist de la FECAFOOT. C'est pour ça que j'ai dit donc. La shortlist générale. Dans la shortlist générale que tu parlais là, il fallait que dans la shortlist du ministère, ou peut-être de la présidence, qu'on appelle la FECAFOOT, on dit que voilà, nous on ne pouvait pas... Le comité de travail. Oui, le comité de travail. Nous on ne pouvait pas arriver à pouvoir payer ces gens-ci. Ok. On doit appeler la FECAFOOT. L'État ne rend pas compte comme ça. On ne rend pas compte aux enfants. La FECAFOOT est l'organe technique. Mais on les rend compte de quoi? Vous les rendez compte? Non. Vous faites un travail, un séance de travail pour dire que voilà... Monsieur, quand tu fais les propositions à ta tutelle, la tutelle ne revient pas te rendre compte. Pourquoi? Elle ne te rend pas compte. J'attends juste voir le résultat. Oui, si elle a besoin, elle te dit de compléter l'information. Je parie tout le monde qui est ici, là, sur cette table. Mm-hmm. Vous avez connu Matt Brice au moment où on l'a nommé. Vous ne saviez pas s'il était dans une shortlist. Vous. Même son nom ne savait pas si son était Paris. Même son nom ne savait pas. Même que le roi ne savait pas. C'est un Camerounais. Même autobus. Même Pierre Lechantre, on ne connaissait pas. On a aussi vu comme ça. Même Pierre Lechantre, on l'a pas connu. Vous allez toujours continuer à travailler comme ça. On ne le connaît pas. J'ai dit que vous allez toujours continuer à travailler. Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un a gagné la Coupe d'Afrique nation. Pierre Lechantre, tu le connaissais? Que le roi le connaissait où? Pierre Lechantre, on le connaît bien. Non, on ne connaît pas Pierre Lechantre. Avant le Cameroun. Non. Avant quand il arrive au Cameroun, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Il fait quoi? Il faisait quoi? C'est toi qui sais peut-être parce que tu as fait des recherches. Ah, Claude Leroy, je dis, la première fois que Claude Leroy arrive ici, Hugo Brosson le connaissait. En 86. Léponiachi, on le connaissait. Il sort de deuxième division quelque part en France. À Dijon. Voilà, à Dijon, comme tu dis, merci. Et il vient prendre l'équipe. Il n'avait même pas encore fait une saison. Il n'a pas encore fait une saison. Il se bat avec les Omambi, Kana et autres. Il fait le tour du Cameroun. Il compose une équipe qui va jouer la Coupe Afro-Asiatique et on va la gagner 1-0. Je dis, à l'aller comme au retour contre l'Arabie Saoudite. Sèche. Voilà comment Claude Leroy commence. Sèche. Et on va ramener le même Claude Leroy en 98. Sèche. Là, on sait qu'il peut être là. Sèche. Oui. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Pourquoi on a signé Mike Brice? Non, tu as dit qu'on ne le connaissait pas. Et on te dit donc que nous, on n'a jamais connu même nos entraîneurs. Quand on entend shortlist, on ne sait pas. Je dis donc. Parfois, même tu es dans la shortlist, et après, on va prendre quelqu'un qui n'était même pas dans la shortlist. Parce que moi, j'ai cet exemple. Cette improvisation maintenant. Voilà. Hein? J'ai cet exemple. Je dis que cette improvisation. On nous a même donné la shortlist, on dit voilà les trois, mais à la fin, on n'a pas pris celui qui était dans la shortlist. Le technicien belge, c'est une improvisation, si on comprend. Oui. C'est une improvisation. On te dit comment il y a un groupe de travail qui a dit que c'est une improvisation. Parce que toi, au quartier, sur les réseaux sociaux, tu étais dans ce groupe. Toi, l'administrateur Nathan Job, tu étais dans ce groupe de travail. Il n'y avait aucun technicien camerounais reconnu. Chaque fois que la FECAFOOT a nommé, le staff technique des équipes nationales inférieures, est-ce qu'il y a une équipe de travail? Est-ce qu'il y a une shortlist? Chaque fois que la FECAFOOT a nommé les staffs dans les équipes inférieures, est-ce qu'il y a eu les shortlist? Est-ce qu'il y a une équipe de travail? On a seulement vu une décision du président dont les prérogatives lui donnent. On lit, on fait avec, on les juge, on l'attend de les juger. Est-ce qu'on allait voir son camp? Est-ce qu'on allait voir les sons? Non, oui. Oui. Pas pour dans toutes les sélections inférieures, écoutez-moi bien. Pas pour dans toutes les sélections inférieures,
c'est la décision de la DSOM. Non, c'est faux. Arrête. Je vous en prie. C'est faux comment? C'est faux. On va poursuivre. Ça, c'est un autre débat sur le rôle de la direction technique nationale. Alors, Emmanuel Maop, on a regardé un peu les membres qui composent le nouveau staff technique des Lions Indomptables, avec à la tête le technicien belge Marc Brice, Joachim Mounounga, son assistant, Giannis Zilouri, analyste vidéo, entraîneur adjoint numéro 1, on rappelle, François Mambic, adjoint numéro 2. Le coach des gardiens Alioum Boukar, médecin professeur Ngachou, préparateur physique. Quel Congolais qui revient. Coordonnateur de sélection nationale Benjamin Bamlock. Coordonnateur adjoint Hervé Mven. Team manager Nonke Dani, enseignant indomptable. Et puis team presse Benjamin Nwelisenge. Enfin, l'agent de liaison Lobé Keller. Sur la composition même de ce nouveau staff, il y en a qui ont estimé. Je vous en prie, il y en a qui ont estimé que bon, il y a des noms, on connaît un peu les précédents entre ces personnes et le président de la Fédération camerounaise de football. Vous avez l'impression aussi que ça serait un peu comme un règlement de compte ou pas? Alors, je voudrais mettre en exergue le pédigré, voilà, le technocrate, etc., le savoir-faire, en toute honnêteté, il est arrivé, je ne le dis pas parce qu'il est là, Nathanaël, qu'à un moment donné, qu'on ait des idées pas convergentes, ça il le sait, mais il n'en demeure pas moins que je le connaisse, que c'est un excellent secrétaire général, en toute honnêteté, ça je le dis en off, je le dis sur ce plateau. Donc, de cette posture-là, en toute honnêteté, je tiens compte du pédigré du savoir-faire, parce que Benjamin Banlock, c'est un mec extraordinaire. Et quand vous le côtoyez, vous rendez à l'évidence que c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé la Fédération Camerounaise de football, c'est une certitude, c'est quelqu'un qui aurait pu faire comme les autres, c'est-à-dire ressortir de ce qu'il a eu, ben voilà, qui se mettent devant les journalistes et disent des choses. Il en a gardé. Il a de la hauteur, cet homme. Il y a quand même sa lettre qui s'est retrouvée sur la place publique, où il disait pas des choses pas forcément jolies. Oui, mais à sortir de cette lettre, justement, je voudrais que vous regardiez là où il Mais la lettre ne dévoilait rien, était écrite, voilà. Très savante. Elle était très savante. Il y a une expression qui a retenu. Danseuse, justement. L'attention du public n'est pas la danseuse. Il est extraordinaire. Quand vous côtoyez Benjamin Banlock, il a une hauteur d'esprit, il est un télo, il a quelque chose. Je pense que ceux qui l'ont nommé ont vu juste. Il faut quelqu'un comme ça. Et voilà. On sait quand même que le coordonnateur est davantage proche de l'Afrique Foot. Oui, évidemment. Ils vont travailler comment? Non, mais écoutez, moi j'ai même envie de répondre à cette question vite fait, mais vous m'avez questionné, vous m'avez posé la question sur ce qui compose le staff, je vais le dire comme ça, staff élargi. Voyez-vous, quand vous regardez François Omambi, honnêtement, il revient pour la troisième fois, il a un pédigré, il est à Châteauroux, etc., il a roulé sa bosse. C'est une évolution ou pas, selon vous? Non, mais c'est quelqu'un, troisième fois adjoint, on a tenu compte. Il faudrait peut-être qu'il est temps qu'on le mette principal. Je vous réponds. Justement, parce qu'on se rend à l'évidence que François Omambi connaît la tanière déjà comme joueur. Il connaît le football amateur. D'ailleurs, Nathanaël en parlait. Je me réjouis justement de sa prise de parole tout à l'heure, celle de Serge aussi, parce qu'ils ont dit des choses sympathiques. Bon, François Omambi a joué au foot au Cameroun. Il a été à Pouma, etc. Il a été au Canon de Yaoundé. Donc, il connaît le foot camerounais de bout en bout, c'est-à-dire de la base quasiment au sommet. Il a été international. Il a été par deux fois entraîneur adjoint de cette sélection, voyez-vous. Il est entraîneur au Gabon. Au Gabon, etc. Donc, il a un pédigré, il a un vécu comme entraîneur, déjà comme joueur de la base, comme joueur. Mais maintenant, je poursuis en disant ceci. C'est même une liste, à mon avis, vraiment, je vais le dire comme ça, de manière péjorative, qui est tellement sympathique et puis dotée de bon sens que tout le monde s'accorde à lui dire. Serge le sait, Ernest également, qui a été en Afrique du Sud. Voilà, pareil pour le SG. Le coaching, maintenant, c'est une team, justement. Oui. C'est très important de le noter. Donc, certainement, quand on contacte Marc Brice, il dit, ben ok, depuis que je exerce, ou bien depuis un certain temps, j'ai les gens qui me côtoient, fût-ils congolais ou non, mais avec eux, j'ai eu des résultats. Avec eux, hier, on est en atome crochu, avec eux, c'est la juxtaposition. Et ceux qui l'ont nommé, à juste titre, en ont tenu compte. Je ne voudrais pas, quand Ernest dit un Congolais, mais Ernest, mais j'ai envie de suite, peut-être, de vous dire un gros mot. Vous avez été en Afrique du Sud. Non, on est sur un plateau sérieux. Dans un club,
c'est pour ça que j'ai dit. Tu pouvais arriver à l'équipe nationale. Dans un club. Tu pouvais arriver en équipe nationale. Non, dans un club. Non, j'ai dit que tu aurais pu arriver à l'équipe nationale. On a les Camerounais qui sont entraîneurs des catégories inférieures dans d'autres pays. Je dis Ernest, Ernest. La parole est à Emmanuel Marat. Quand je t'ai entendu parler, moi je te buvais. Quand je te vois. Je vous en prie. Tu comprends un peu, je suis fier de toi. Quand tu as parlé de Doha et autres, tu aurais pu être entraîneur national, adjoint. Les gardiens de but là-bas. En Afrique du Sud. Oui, que je ne me serais pas fâché, j'aurais été très content. Emmanuel Marat, poursuivez, je vous en prie. Mais c'est même pour cette raison, justement, que je l'ai dit, en réalité. Le monde est devenu un village planétaire. Mon éducation ne me permet pas de le dire. Mais quand que je le dis sur un plateau, que ça m'aurait donné envie, c'est un peu regarder Ernest et lui dire, mais j'ai l'impression qu'il a fait 20 années d'entraînement, mais il ne comprend rien. Parce que lui, le Camerounais, Ernest, permettez, c'est moi qui ai la parole. L'équipe nationale du Cameroun. Vous prenez l'équipe nationale du Cameroun comme c'est un club. Mais quand vous prenez, quand vous prenez les Blancs, les Blancs là sont Camerounais. Non, quand vous prenez l'exemple qu'il prend là. Mabouka a travaillé en Afrique du Sud. C'est l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'équipe nationale du Cameroun qui a 5 trophées. Vous avez parlé africain. Vous avez parlé pendant 30 minutes complètement. Je vous ai Il y a des entraîneurs qui sont mieux que celui-là. Permettez-moi de parler, vous avez votre temps de parole. Et je souhaiterais que vous me donniez le mien. On a compris. Je protège le technicien camerounais. Permettez justement que j'aime mon temps de parole. On a compris le raisonnement du coach. Quand on prend certains entraîneurs étrangers, moi, encore une fois, la sélection nationale A. Encore une fois, c'est très réducteur. Ouais. Il vient de dire quelque chose que je partage à fond la caisse. Le Cameroun et le monde entier deviennent de fait un village planétaire, voyez-vous. Quand vous voyez certains entraîneurs d'une autre nationalité aller prendre des sélections, etc. Moi, j'ai vu Fabio Capello être entraîneur de la Russie. Mais on aurait pu trouver un entraîneur russe pour le mettre à la tête de la sélection. Ça, c'est très bien. Mais je voudrais quand même que quand on est dans le football... C'est mondial, Capello, s'il te plaît. Il n'est pas russe. C'est Capello. Mais il n'est pas russe. C'est que lui dit qu'il ne connaît pas. Non, je dis qu'il le dit dans le bon sens, qu'il ne comprend pas. Oh là là. Quand on dit, regarde bien, quand il dit que l'équipe technique, ça veut dire que quand tu dis que c'est l'équipe technique, Capello, quand il se déplace, écoutez-moi très bien, ok, il vient avec son équipe technique. Justement, c'est ce qui se passe. C'est la même chose avec Brice. Je dis pas au Cameroun. Non, tu amènes un Congolais assistant. Écoute. Au Cameroun, c'est pas bon. Non, je dis, on a des techniciens qui ont de la valeur. C'est sa position, c'est son staff. C'est son staff. Avec son analyste vidéo. Il est venu avec. Manoubri, si tu me permets. Permets-moi une seconde, je veux compléter. Pour lui dire que. Je ne sais pas s'il vient de faire le stage à CAF qui vient de se terminer, dont la première phase vient de se terminer. Non, j'ai déjà eu la licence à CAF. Bon, ce qui vient de se terminer là, on m'a dit qu'on a mis des UV dans la formation que vous n'aviez peut-être pas fait. Moi, avec l'expert UEFA qui a rappelé, et vous allez voir que ça va changer dès la saison prochaine, à tous les entraîneurs qui étaient là, qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le team coaching. Quand on vous recrute, vous devez partir avec... Laisse-moi vous expliquer, parce que j'ai fini. Mais si tu as dit ça, tu ne peux pas t'offusquer que ma fiche vienne avec un assistant. Écoute-moi bien, c'est ce que je veux donc vous éclaircir, que vous ne comprenez pas. Tu n'as pas à nous éclaircir. Je dis qu'au Cameroun, écoutez-moi bien. C'est comme si. Le Cameroun a quoi de particulier? Vous aimez faire un narcissisme qui n'a pas. De quoi? On comprend. Oui, de particulier. Bon, j'ai fini. Si tu m'as compris, je remets la parole. Je vous donne un exemple. Coach Mabouka, vous prenez un entraîneur comme Thomas Kono. Vous le comparez à celui-là ou bien au Mambi François qui est assistant numéro 1. Est-ce que Thomas Nkono, est-ce que le Congolais est entraîneur des gardiens? Cette émission sans retenir grande chose. Thomas Nkono, c'est un entraîneur. Des gardiens? Non, s'il te plaît. Non, des gardiens. Nous, on a toujours pris au Cameroun. Je dis qu'entraîneur... Il a même été entraîneur du Cameroun, non? Je dis qu'il est entraîneur. Ne le prends pas... Emmanuel Marot. Oui, heureusement. Merci de me remettre la parole. C'est vous la modératrice. C'est sympa. Non, la question, pour répondre à la question de savoir comment ça va se faire en l'état, on doit plus poser la question de savoir comment ça va se faire. La récréation, elle est terminée. Serge l'a dit, Dathanaël l'a dit. Vous savez une chose, vous savez, quand le...
Écoutez, mais Nathanaël et Serge, l'ont dit, qui donne un agrément, à la fédération. Nathanaël a dit en certains termes, qui donne le pouvoir à la fédération. Mais c'est ceux qui nous gouvernent justement, c'est l'État du Cameroun. Mais à supposer que à l'instant où on discute, où on échange, que le Cameroun ne veuille plus de la fédération, mais le président de la fédération n'existe plus. Quand même, il faudrait que vous compreniez. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. On disparaît. Mais sauf que le président de la fédération, justement, qui devrait, c'est vrai, je me dois d'être réservé, parce que quand on parle du président de la fédération maintenant, au-delà du grand joueur qu'il a été, il porte son père en terre le week-end. Vraiment, je voudrais regarder la caméra et lui présenter mes condoléances. Vraiment, je veux être très réservé, parce que chez nous, les Bantous, la sagesse voudrait que, quand il y a un deuil, que, évidemment, qu'on accompagne. Vraiment, ça, je le dis. Donc, je vais essayer, justement, d'arrondir les angles. Comme pour dire quoi ? C'est l'État du Cameroun par l'entremise du ministre qui est en charge de tous les sports du Cameroun, à un moment donné, qui a le dernier mot. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Quand le président Paul Biya, en 90, demande à l'ambassadeur du Tiran, Roger Mila, le sélectionne, je ne pense pas qu'un sélectionneur aurait pu s'opposer à ça. On a dit que les joueurs même se sont opposés. Mais ça s'est fait comme ça. D'accord ? Et quand Gianni Infantino, c'est très important, parce qu'on parle toujours d'ingérence, et je voudrais que vous compreniez une chose, les ingérences, même c'est à tête chercheuse. Pourquoi on parle d'ingérence ? On parle d'ingérence lorsque le candidat... C'est en Arabie Saoudite, au Maroc, dans les royaumes. Est-ce que la FIFA... Voilà. Lorsque on parle d'ingérence, quand le, je vais le dire comme ça de manière prosaïque, le candidat de l'instance fêtière mondiale n'est pas un atome crochu avec les gouvernants. Encore qu'ils peuvent prendre des mesures. Vous avez regardé Gianni Infantino, quand justement Motsepe devait être président de la Confédération africaine de football, Gianni Infantino a pris son bâton de pèlerin, s'est rendu dans certaines capitales, dans certaines chancelleries africaines, pour s'adresser à qui ? Au chef d'État, justement, pour instamment leur demander de dire au président des associations de le soutenir. Parce que ce n'est pas les chefs d'État qui votent, c'est les présidents des fédérations, justement. Mais pourquoi Gianni n'a pas tenu une réunion pour dire au président de la fédération, votez tel, votez tel ? Je voudrais que vous compreniez certaines choses. Il n'y a pas à parler d'ingérence. Pourquoi ? Parce que même quand un événement se fait, le Cameroun a abrité deux événements extraordinaires ces derniers temps, le CHAN et la CAN. Évidemment, on sait que la FECAFOOT, c'est l'organe technique. Mais est-ce qui la CAF s'adressait à qui ? Mais à l'État du Cameroun, justement, qui met son argent sur le plan infrastructurel pour recevoir les Africains dans le cadre du foot. Voilà. Qui ouvre, etc., etc. Donc, je voudrais qu'on balaye ça du revers de la main pour finir, comme pour dire ceci. Il n'y a pas de problème en l'État. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème ? Il n'y a plus de problème. L'instance technique, l'instance fêtière du Cameroun, qui est la fédération, justement, par cela impliquée pour ce genre d'événement, va se réunir avec les nouveaux acteurs. Ils vont s'arrimer. Prendre acte. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de... Encore une fois, on vous dit que les hautes instructions du chef de l'État, vous ne prenez pas acte, vous commencez à tergiverser. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien à faire. La collaboration, justement, entre ces membres-là. Que je... Et la FECAFOOT, qui est quand même l'organe technique hein, sur quelque chose, ce qu'on peut dire. Est-ce que la collaboration sera facile ? Bonne chance pour Bruce. Okay. Coach Matt Brice, bonne chance. Mais je sais que ça sera difficile. Vous comprenez un peu ? Ne prenons pas les choses. Il en a d'ailleurs souhaité. Je venais de le dire maintenant, c'est que la seule chose que nous souhaitons, que moi je souhaite, c'est que les deux parties s'asseoir triompher par la paix pour que le football aille plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire tout. Regardez ces icônes qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Ces icônes camerounaises qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Et quand on s'élève, on vient dans une émission comme ça, on dit que le président de la République peut dissoudre, comme il a le droit de dissoudre la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il a le cœur de pouvoir le faire ? Non. Il sait quand même qu'il y a des icônes qu'il a nommées. On l'a fait au Mali. On l'a fait au Nigeria. On l'a fait au Ghana. Non, le Nigeria, c'est pas le Cameroun. Quand même, ne partez pas. Là où on part maintenant. Non, le Ghana, c'est ici. Non. C'est combien de Coupe d'Afrique ? Les quatre. D'accord. Ok, le Nigeria, c'est pas à notre niveau. Le Cameroun, c'est quand même 5. Cameroun, c'est quand même. C'est une question d'étoile. C'est une question d'étoile. Où le président de la République est assis dans la tribune. Et donc, tu peux comparer le Cameroun avec le Nigeria. Il faut arrêter ça, même sur le plan de la diplomatie. Il faut arrêter de. Arrêtez votre narcissisme là. Footballistique. Non, le Nigeria gagne également
les Jeux Olympiques. Nous, on a aussi lieu, ça. Avant le Cameroun. Je dis qu'en 96, avant le Cameroun. Je dis. Atlanta, je ne sais pas de quoi il parle. Je dis, quand lui veut parler. C'est une narcissisme qui vous fait dire que vous êtes le continent. Quand lui veut parler, j'ai la parole. Non, souffrez que j'ai la parole. Vous m'avez coupé. C'est quand même le Cameroun qui a 5 Coupes d'Afrique. Le Nigeria n'a pas 5 Coupes d'Afrique. Vous n'avez pas le droit. Ok. Monsieur Marc Brice, pour ça, va travailler. Ok. Mais pour qu'il travaille en paix, il faudrait que les deux entités. Ernest, je l'ai dit. Il a dit quelque chose de fondamental. Il ne faudrait pas oublier ça. Que, écoutez très bien. Que quoi? Pour devenir président de la fédération, il faut l'ension de la présidence. C'est toi qui le dis. Oui, c'est comme c'est ça écrit que où? Ça se passe. C'est écrit. C'est comme ça que ça c'est se passe. C'est dans quelle loi au Cameroun? La preuve, pardon, je vous ai pris l'exemple de Gianni Infantino. Non, laissez ça. Il est parlant. Ce n'est pas écrit à la FIFA. Vient, il ne s'adresse pas au président de la fédération. Il va voir les chefs d'État. Pour que le président soit là où il est, à la fédération, le monde. Il y a eu le cas de d'accord. Si son père lui dit la récréation est terminée, il faut qu'il comprenne ça. Et ne pensez pas que quelque chose d'autre va se faire, Ernest. C'est zéro. Même en Afrique du Sud, où tu as été, tu parles là, ça se passe comme ça. Le politique s'ingère. Tu parles comme il donne les directives. Tu parles là comme un catisa. Oui, non, c'est vous. Donc, dans la collaboration, la collaboration entre le ministère et la Fédération camerounaise de football ne peut pas te permettre de dire ce que tu es en train de dire. On a un match en juin là. Je vous ai parlé du ministère. Je dis. Je vous parle des entraîneurs qu'on a nommés, du staff qu'on a nommé. Je dis. Je te parle. Je dis que le staff va travailler. Le staff va travailler. On va estimer l'ordre. Moto, Digo. Qui va estimer l'ordre? Mabouka, elle nous dit des choses intéressantes. Qu'est-ce que je veux dire? Tu me dis des choses intéressantes. Tu es président de la fédération. Mabouka ne dit que les mêmes choses, il se répète là. Je dis, laisse-nous évoluer dans le débat. Non, non, quel débat? Vous faites un débat où vous fixez des choses, vous dites ce que vous dites. On doit rester là. La collaboration, pour le moment, à l'heure actuelle, nous sommes, selon le communiqué, Marc Brice l'a dit. C'est qu'il faudrait qu'il rencontre le président. Effectivement. Il faudrait d'abord. On s'est dit ça. Laissez-moi parler quand même. Oui, vas-y. Il faudrait qu'il rencontre le président de la FECAFO, la Fédération Camerounaise de Football, qu'il accepte d'abord de le rencontrer. Mm-hmm. Vous comprenez un peu? De deux. Il y a une réunion. Il est obligé de le rencontrer. Vous allez réagir après. Allez-y, il y a une réunion. Allez-y. Il y a une réunion ce matin à 11h. OK? Nous ne sommes pas des dieux. Mais ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui, tout à l'heure, là, okay, la décision est déjà prise. Mm-hmm. Nous ne sommes pas les dieux, nous étions pas là-bas. Ce qui veut dire que nous estimons, ou on rêve, on saura. Ce que nous pensons. Ce que Mahou peut penser, ce n'est pas ce que je peux penser. Nous pouvons avoir des différents raisonnements. Vous comprenez un peu. Oui, mais je dis bien que, comment se fait-il que un Camerounais lambda peut se dire que l'organe technique, on balaie ça de la main pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait l'harmonie en tant qu'entraîneur de football. Vous ne pouvez pas bien travailler dans ça. Ceci. Vous ne pouvez pas dire ceci. Il dit la politique. En réalité, il dit la politique. Nathalie t'a dit que quand tu es arrivé. C'est Zambo. Oui. C'est Zambo sur la collaboration. Il faut qu'on avance. C'est sur la collaboration. On ne parle pas de politique. Sur la collaboration entre ces hommes nommés par le ministre des Sports, pas l'État, comme a rappelé le ministre des Sports lors de l'installation, l'organe technique qu'est la Fédération camerounaise de football, qui était absent, hein, l'organe technique à cette cérémonie, qui ne s'est pas fait représenter. Comment est-ce que vous pensez que la collaboration va se passer? Ce que je voudrais dire, c'est que, primo, la politique de la chaise est vide, il n'a jamais prospéré. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est clair. Et même j'ai eu la chance d'assister à certaines cérémonies aux awards de la FECAFOOT, où le ministre a été convié, mais il s'est fait plutôt représenter. J'ai eu cette chance-là. Et je dis encore une fois bravo à Itoufis, parce que c'est des choses qui avaient disparu. Oui. Aujourd'hui, on peut se retrouver aux avoirs, nous, les ballons d'or. C'est que la LFC le faisait aussi. Oui, la LFC le faisait. Non, mais pas aussi grandiose comme si, ça. Si, j'ai été consultant média à la LFC. Et ça d'accord, faisait merci. Dans merci. Les hôtels UP de la capitale, même à Douala, ça s'est ça fait. Ça s'est fait, donc, d'accord. Bon, merci de m'avoir renseigné là-dessus. Mais ce que je voulais dire, pour répondre à la question de Lydie, c'est que lorsque c'est acté, la seule chose qu'on doit faire, c'est aller
inlassablement vers le dialogue. C'est le Cameroun qui en sort grandi. Il n'y a plus à faire marche arrière. J'ai suivi sous peu dans les correspondants dont vous avez parlé 72 heures. Je crois que si j'ajoute encore 24 heures aujourd'hui, c'est déjà passé. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses qui se sont dites. Et aux obsèques du regretté père de Samuel, le chef de l'État va se faire représenter par le directeur adjoint du cabinet civil, qui est M. Babouké. Je pense également, sans peut-être lire dans la boule c'est du pistache, absolument. C'est tout ça est fait bravo, à dessein. Bravo Serge, bravo. Voilà. Donc il y aura des discussions. Et dans les réseaux sociaux dont il parle, j'ai vu Samuel assister à une fête qui se passait, c'est Babouké. Mm. Donc on peut se dire qu'ils sont proches. Mm. Et le fait que le chef de l'État envoie Babouké aux obsèques, il envoie quelqu'un qui est proche à Eto'o. Et je ne pense pas un seul instant que le Cameroun veuille rentrer dans cette boîte. Il a dit tout à l'heure que le président peut dissoudre, mais est-ce qu'il a le cœur pour le faire? Mais n'ayant donc pas le cœur pour le faire, il ne peut avoir le cœur que pour faire en sorte que les gens s'asseyent. Trouver des solutions. Il a le cœur pour mettre les gens en prison, il n'a pas le cœur pour dissoudre. Pour avancer. Chose. Non, c'est autre chose. Je reste dans ce que Mabouka a dit tout à l'heure. Je te rejoindre, Nathaniel. Donc, pour moi, et Brice, un homme intelligent et sage, à sa conférence de presse, la première, il dit qu'il veut rencontrer le président de la fédération parce qu'il sait bel et bien qu'il ne peut pas travailler sans l'apport du président de la Fédération Cameroun de football. Même François l'a dit. Voilà, même François l'a dit. Même le CELCOM du ministère. Voilà, même le CELCOM du ministère l'a dit. Bon, c'est à souligner. Maintenant, ce qu'il faut, pour moi, dans cette concertation, que chacun essaie de rester dans son rôle. Pour convenir avec moi, que chacun reste dans son rôle. Que la liste que Marc Brice envoie soit celle qui doit revenir. Parce qu'il faut également le dire, c'est effectivement la FECAFOOT qui est l'organe technique qui doit envoyer la liste, les billets d'avion aux joueurs et autres, qui doit le faire. Peut-être qu'à dessein, on se dit que si ça, on va être buté, on peut mettre le coordonnateur à profit pour ce genre de tâches. Il est bien évident aussi que, à mon avis, quand on a un souci de rechercher le calme et la paix, on n'aurait pas dû nommer quand même quelqu'un qui a eu des soucis, des frictions avec le président actuel. Ça, c'est mon avis. Non, mais s'il a un pedigree, c'est... Il a un pedigree. Beaucoup de Camerounais ont des pedigrees. Tout à l'heure, là, tu venais de dire... Tu as pris quelque chose sur Nathaniel. Toi qui me connais également, je pense que les fonctions, peut-être, que j'occupe aujourd'hui, quelqu'un peut se dire que je peux avoir le pedigree, mais je ne suis pas le seul à l'avoir. Quelqu'un d'autre peut également avoir, dans le souci de l'apaisement. Ça, je tiens à le souligner. Et dans ce cadre, donc, que chacun reste à sa place. Qu'Eto'o s'occupe, il a même d'ailleurs beaucoup de travail, que de focaliser uniquement son attention sur la sélection A. Où c'est il la a voulu. Vitrine. Nous sommes d'accord, mais là, il a voulu tout faire. C'est la vitrine. D'accord, mais il a voulu tout faire. C'est de là que viennent tous les problèmes. Les discours qu'il tient, condescendants, j'en ai parlé ici plusieurs fois, personne n'a sa place ici. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On ne prend pas la place de l'entraîneur qui était son banac. Et aujourd'hui, je pense aussi que l'État a voulu prendre sur lui. Ça aussi, il faut le voir dans ce sens. De choisir quelqu'un avec qui... Il n'est pas en atome crochu pour pouvoir travailler de façon sereine. Ça va donner. Vous pensez? Si peut-être, on aurait pu Renard. Bon, encore que Renard a une forte personnalité. Mais je pense qu'il pouvait encore avoir des incursions parce qu'il aurait rappelé à Renard un temps soit peu que c'est moi qui t'ai fait venir. Donc aujourd'hui, on a pris quelqu'un à qui il ne peut pas dire c'est moi qui te fais venir, mais quand ils vont s'asseoir, que chacun reste à sa place. D'accord. Je vais même un peu plus loin. Si ce n'était que moi, qu'on lui interdise même le vestiaire. Oui, mais c'est une façon de lui interdire, Serge. Ça, c'est clair. Qu'on lui interdise. Le président de la FECAFOOT. Oui. Non, je sais que ça ne peut jamais. Mais je dis, si moi j'étais coach. Non, ce n'est pas. Si moi j'étais coach, j'irais loin. Je pouvais le lui interdire. Il a le badge qui lui permet d'entrer dans le vestiaire. Alors, vous ne m'avez pas compris au premier degré. Il n'a plus de main mise en réalité sur le vestiaire. On voit la suite justement. Je ne parle pas d'entrer dans le vestiaire. Vos staffs et à la FECAFOOT. Comment vous voyez la suite? Moi, je pense que. Je pense que la nuit a porté conseil aux uns aux autres.
et que vous voyez que nous sommes aujourd'hui à 72 fois 3 ou fois 2 et que rien ne s'est passé et que je crois que les gens sont revenus. Les gens sont revenus. Les gens sont revenus à la sagesse. À la sagesse. Et les gens ont compris ce que je vous rappelle toujours ici. Que si la FECAFOOT essaye de s'opposer, de ne pas collaborer, ce ne serait pas au ministre qu'elle aura affaire. Elle aura affaire au chef de l'État. Parce que c'est une défiance des institutions du chef de l'État. On a cité nommément son discours ici. Bravo. Où il a dit que il a donné des instructions au gouvernement via le ministre des Sports et qu'il veillera à son application. Quand un président a parlé comme ça, bravo, je crois que même la réunion qui était au Premier ministre aujourd'hui, c'est seulement pour rappeler que sachez que les instructions du chef de l'État sont très hautes. Personne ne. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les applique d'abord. Si c'est le contraire. Je dis que. Mais on a vu il y a deux ans, c'était le contraire. Ce n'était pas favorable au ministre. Et le ministre est resté tranquille. Le ministre a appliqué. Il est resté tranquille. C'est, vous l'avez vu gesticuler. C'est ce que la fédération devrait faire. Oui, c'est ce que la fédération devrait faire. C'est ce que la fédération va faire. Vous avez vu le ministre aller dire que je nomme aussi quand vous avez mis le papier en début de la phase de débat, le ministre à l'installation, le propos qu'on a retenu, c'est que vous êtes mis à la disposition de la FECAFOOT. Il n'a pas dit que quand vous êtes nommé, allez gérer le Lyon indomptable. Il a dit vous êtes mis à la disposition de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui va les utiliser. Qui va les gérer. Et même la convention dit qu'on met à la disposition de la FECAFOOT. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens vont continuer à faire le débat. Je veux simplement dire, pour ceux qui disent que, bon, on a nommé Banglore, on a fait ceci, je dois dire que on est dans une gouvernance systémique avec ses défauts, avec son cynisme. Et quand vous êtes le fruit de ce système-là, vous n'avez pas changé. Eto lui-même n'a pas changé. Absolument. Eto est allé à la Ligue de l'Ouest. Il a outrepassé les gens qui ont été élus. Le secrétaire général qui a été élu. Il a allé prendre Tabobda, qui était contre le président de la Ligue. Il a nommé au point de chasser. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas. Les du centre aussi. Je peux citer à profusion. Le même FECAFOOT est allé à Unisport, créer deux Unisport et prendre le Unisport que le peuple ne voulait pas et que les tests ne voulaient pas. Il est parti à Pan. C'est le cynisme. Quand vous gérez ce pays, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer ce système. Il a travaillé dans ce système. Mais c'est pourquoi je le connais bien. Il sait de quoi il parle. Il a travaillé dans ce système. Il sait justement de quoi il parle. Ce n'est pas la présentation d'aujourd'hui qui travaille comme ça. Pour que les gens ne s'accrochent pas. Il a travaillé dans ce système. Même lui-même, il parlait en mots voilés. Il a eu. Il a eu des failles de ce système avant la fédération d'aujourd'hui. Pour terminer. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faudrait attendre justement et de la part des hommes nommés par l'État et la fédération? Non, je ne me réjouis jamais assez. Vraiment, pour une fois, j'ai eu à faire quelques émissions avec lui, mais Nathanaël dit des choses extraordinaires justement. C'est-à-dire qu'il sort du cadre du foot, il émet de politique, etc., etc. C'est très juste ce qu'il a dit, Serge aussi. Bon, évidemment, on comprendra la modération de Serge. Dites-nous ce que vous avez à nous dire. Je vais dire une phrase. La Fédération Camerounaise de Football, en l'état, est obligé à l'obligation de collaborer. Il n'y a plus rien à dire. Et c'est pour cela que je me réjouis jamais assez. Encore, il a dit quelque chose que je partage. La récréation étant terminée, il n'est plus question de parler de bicéphalisme. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Le staff est nommé. Coach. La fédération va faire avec pour espérer justement ce qu'elle fait déjà pour le Maroc. Il faut dire que le problème de l'équipe nationale, ce n'est pas les grands coachs. On a eu un grand coach ici. Georges, on n'a rien gagné. Les petits coachs, on a gagné parce que tout ce qu'il faut en équipe nationale, c'est la sérénité. Absolument. Quand il y a la sérénité dans la tanière et dans l'administration, on gagne toujours. Coach, on a vu 2017. Coach, mais quand il n'y a pas la sérénité, prenez le plus grand entraîneur du monde. Ça ne va pas marcher. Et tous sont blonds. Tous sont blonds. Ça, c'est pour terminer, coach. C'est de bon augure. On n'a pas toujours les mêmes idées. Et je crois que
comme a dit Nathaniel, la nuit porte conseil. Donc, ceux qui sont... Non, il aurait même dû dire la nuit a porté conseil. On est en fin d'émission. La nuit a porté conseil. Donc, vous espérez aussi que la nuit porte conseil aux deux grandes entités. C'est le passé composé. Ce qui veut dire que... Non, il n'y a pas d'entité. Le ministère des sports est... C'est le ministère Le ministère qui est nommé... Écoute bien. Le ministère qui est nommé est celui qui est voté. Oui, mais sauf que c'est le ministère. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Ça veut dire que celui qui est nommé, qu'on peut débarquer demain, et celui qui est voté. Oui, pareillement, ça veut dire que celui qui est voté a le pouvoir des gens qui sont du comité qui est devant mais lui. Mais tant que l'agrément, tant qu'il a l'agrément, ouais, mais si on lui retire cet agrément, celui qui est voté justement n'existe pas. Je souhaite. Et s'il est voté, je souhaite bonne chance. La présidence a voulu qu'il soit là. Je souhaite bonne chance. Voilà. À ce staff. D'accord. Merci bien, Conseil Mabouka. Emmanuel Marop, Serge Zambo, Mathieu Nathanael, Djok. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Adonis Yamène, Amis Sportifs. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.